Donc, pour aujourd'hui sur atomes et électronégativité. Julia, je te mets animatrice. Je te trouve. Voilà. Ben, Julia, essaie de participer, de partager. C'est top, top. Voilà, allez Julia, je te laisse en 2 secondes te présenter et tu peux commencer. Merci beaucoup. Et si tu peux mettre ta caméra, c'est top, comme ça on te voit bien. Je n'ai pas l'impression qu'elle y est. Julia, est-ce que tu peux activer ton audio aussi? Ouais, c'est bon. Ah, Je top. l'enregistre. Merci beaucoup. Top. Bon cours. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julia. Il y a un an, j'étais à votre place, en passe. Mais depuis, j'ai réussi du coup, à être admise en maïeutique. Et maintenant, je vais vous présenter ce premier cours. Donc, vous allez voir, normalement, c'est pas très. Enfin, c'est pas le cours le plus dur que vous aurez à avoir. Et ça va vraiment crescendo dans la difficulté du cours. Donc, on va commencer. Donc, déjà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, posez-les. Peut-être même, genre, prenez la parole comme ça, c'est plus simple que. Plutôt que je regarde le chat. Donc notre première diapo, c'est sur les constituants de la matière. Donc, c'est vraiment une première diapo générale. On va du plus gros niveau d'organisation de la matière au plus petit, donc les particules élémentaires. Le plus gros niveau d'organisation de la matière, vous l'avez probablement déjà vu, c'est la molécule et les cristaux, qui sont constitués d'atomes. Leur dimension, elle est variable, donc ça se voit bien, parce que selon le nombre d'atomes qu'on a, on est sur une taille différente. Par exemple, là, la molécule d'eau, on se doute bien qu'avec ces 3 atomes, elle est bien plus petite que cette molécule-là, constituée de centaines et centaines d'atomes. Pour l'énergie de dissociation d'une molécule, on est de l'ordre de l'électronvolt. Donc l'énergie de dissociation, c'est en fait l'énergie qui est nécessaire pour rompre les liaisons. Donc, c'est l'énergie dont on a besoin pour passer de l'état de molécule à l'état des atomes séparés. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, la molécule est constituée d'atomes. Donc, on va voir les atomes. L'atome, il est constitué d'un noyau et d'un cortège d'électrons, représentés ici, donc le noyau et les électrons qui gravitent autour. Et pour la dimension, on est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Des fois, vous verrez pour la dimension de l'atome écrit Ung, avec à côté un A avec un petit rond au-dessus, ça s'appelle l'angstrom et ça équivaut à 10 puissance moins 10 mètres. Donc, ce serait comme ça. C'est équivalent. Pour l'énergie de dissociation, ici, on est sur entre 10 et 10 puissance 4 électrovolts. Comme je l'ai dit, l'atome, il est constitué d'un noyau et d'un cortège d'électrons, donc on va étudier le noyau. Le noyau est constitué de nucléons, donc les neutrons qui sont neutres et les protons qui sont positifs. Donc on les voit ici, les protons en rouge, les neutrons en bleu. Et pour la dimension, on est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Donc c'est 5000 fois plus petit le noyau par rapport à l'atome. Et pour l'énergie de dissociation, on est de l'ordre du méga électronvolts. Donc on a besoin de 10 puissance 6 électronvolts pour rompre les liaisons entre les neutrons et les protons. Là, peut-être que vous avez déjà remarqué cette logique qui se dessine, c'est-à-dire que plus on est sur une dimension petite, donc le noyau qui est plus petit que l'atome, qui est plus petit que la molécule, plus on a besoin d'énergie pour rompre les liaisons qui les lient. Et là, je pense que pour ces deux dernières, surtout pour la dernière ligne, c'est vraiment cette phrase qui est importante. Personnellement, je n'avais pas appris les différentes valeurs d'énergie de dissociation, parce que le prof, il n'a jamais fait tomber les nombres, donc je ne trouvais pas ça
C'est vraiment, si vous voulez vous embêter à apprendre des chiffres, ce ne sera pas ceux-là les plus importants. Après, si vous voulez les apprendre, perso, pour apprendre les chiffres, je les écrivais dans un petit carnet ou sur une feuille que je m'affichais en face de moi et je les relisais de temps en temps pour les mémoriser, ne pas les oublier. Mais franchement, là, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, par contre, c'est ça. Donc, on a vu que le noyau était constitué de nucléons. Et les nucléons, ce sont quoi? Ce sont des hadrons. Et ces hadrons, ils sont divisés en deux catégories, les baryons et les mésons. Les baryons, ils ont trois quarks. Comment s'en souvenir? Baryon, trois syllabes, trois quarks. Alors que les mésons, ils ont deux quarks. Comment s'en souvenir? Maison, deux syllabes, deux quarks. Et les nucléons, eux, ils appartiennent à la catégorie des baryons. Pour la dimension, on est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, parce que c'est ce qui constitue le noyau. Et pour l'énergie de dissociation, 10 puissance 9 électronvolts, donc du milliard d'électronvolts. Et enfin, notre dernière catégorie, ce sont les électrons qu'on a vus là, enfin, notamment les électrons qu'on a vus là, qui appartiennent à la catégorie des fermions, aussi appelés particules élémentaires. Ce sont les plus petites, parce que ce sont les particules élémentaires, les particules de base. Elles aussi, elles sont divisées en deux catégories, les leptons et les quarks. Dans les leptons, on a les électrons et les neutrinos. Dans les quarks, on a six types différents de quarks. Et les quarks, ce sont bien ceux qui constituent les hadrons. Là, attention à ne pas confondre lepton, quarks, fermions, baryons, mésons, hadrons. C'est des mots qui se ressemblent. Et le prof avait déjà fait un piège une année en anal. Bon, il l'a fait qu'une année, c'est pas retombé depuis, mais bon, on ne sait jamais. Et perso, pour retenir que c'était fermion qui était équivalent à particules élémentaires, donc à la catégorie générale, je me disais fermion, ça fait penser à ferme. Donc j'imaginais une ferme dans laquelle on plaçait les leptons et les quarks. Bon, ce n'est pas le meilleur moyen mnémotechnique de mon année, parce que je ne l'ai pas marqué, mais si jamais ça peut aider. Voilà. Et pour la dimension, 10 puissance moins 18 mètres, on est sur du tout petit. Ça va pour l'instant? N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des questions, des incompréhensions. Bonjour, Julia, c'est ça? J'ai une question, pardon. Vas-y. Tu m'entends? Ouais. Ouais, je t'entends parfait. Donc, dans la catégorie des fermions, il y a les quarks. Et on voit Ouais. dans l'autre catégorie juste avant que, par exemple, les baryons donc, sont composés de trois quarks, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc c'est un rapport, hein. On est d'accord que c'est les quarks qu'il y a dans Oui, les c'est ça. fermions, en fait, sont des composants, des neutrons et des protons, au final, C'est ça, aussi. c'est exactement ça. D'accord. Chaque colonne que vous avez appris, en fait, c'est le constituant de la colonne d'avant. L'atome, c'est D'accord. ce qui constitue la molécule, le noyau qui constitue l'atome, les hadrons, ils constituent le noyau, et là, les quarks, ils constituent les hadrons. Ok, super, merci. Donc, la suite. Donc, on a vu que tout ça, ça s'assemblait. Mais comment est-ce que ça tient? Ça tient grâce à des forces d'interaction. Ces forces, il y en a quatre catégories. Gravitationnelle, électromagnétique, nucléaire faible, nucléaire forte. On commence par la gravitationnelle, donc celle que vous connaissez probablement, donc c'est le poids, la gravité, vous l'appelez comme vous voulez. La particule dont elle a besoin, c'est le graviton. C'est, pour expliquer un peu cette notion, c'est comme si ben, le train, pour se déplacer, il a besoin de rails, mais la force gravitationnelle, pour s'exercer, elle a besoin de graviton. Et cette force, elle agit sur toutes les particules. Ça, on peut s'en douter, puisque, par exemple, la force gravitationnelle s'exerce entre la Terre et le Soleil, enfin, c'est cette force qui vous permet de tenir assis là où vous êtes assis. En fait, ça s'exerce sur tout corps qui a une masse, donc on va dire sur tout. C'est plus simple. Et la portée, elle est infinie. Idem, donc si ça s'exerce entre la Terre et le Soleil, la Terre et la Lune, etc., on est sur des distances vraiment très longues, donc infinies. Et la dernière ligne, je vous l'explique à la fin, mais vraiment, ça n'a pas trop d'importance. Alors retenez que L est moins forte que L, qui est moins forte que L, qui est moins forte que L, mais les chiffres, pareil, c'est pas très pertinent. Donc la deuxième force, c'est la force électromagnétique, dont le vecteur est le photon, donc la lumière. Elle agit sur toute particule qui a une charge, et elle a une portée infinie également. Ensuite, on passe sur les deux autres forces d'interaction qui, elles, s'exercent au niveau de l'atome, au niveau du noyau, comme leur nom l'indique, force nucléaire.
La nucléaire faible s'exerce grâce au boson. Comment je retenais ça? Boson, ça fait penser à bouse. Bouse, c'est plutôt péjoratif, donc nucléaire faible. D'ailleurs, ce que j'écris en rose, c'est mes moyens mnémotechniques, enfin les moyens de se souvenir. Et après, quand je mets un petit cœur et du surlignage jaune, c'est les choses importantes qui ont tendance à tomber. Donc la nucléaire faible, elle agit sur électrons, protons, neutrons, donc en fait sur l'atome en général, quoi. Et sur la portée, on est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres. Ça, on pouvait s'en douter, puisque 10 puissance moins 15 mètres, c'est la dimension du noyau. Elle s'appelle bien force nucléaire, donc force du noyau. Et la dernière force, force nucléaire forte, comment je me souvenais de son vecteur? Je me souvenais que gluon, ça fait penser à glu, c'est une colle forte, donc nucléaire forte. Elle agit sur les quarks et elle a une portée idem inférieure à 10 puissance moins 15 mètres, parce qu'on est toujours sur du nucléaire. Pour expliquer brièvement la dernière ligne, ça veut tout simplement dire que la force gravitationnelle est 10 puissance 40 fois plus faible que la nucléaire forte. L'électromagnétique est 10 puissance 2 fois plus faible que la nucléaire forte. La nucléaire faible est 10 puissance 5 fois plus faible que la nucléaire forte. Ça va toujours. Ça va toujours, on passe au noyau de l'atome. Ça, normalement, c'est une représentation que vous avez déjà vue, que vous connaissez probablement déjà. C'est la représentation classique de l'atome, hein. On écrit le symbole de l'élément ici. En haut à gauche, c'est le nombre de masses, donc le nombre de nucléons. Les nucléons, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les protons plus les neutrons. Et ici, on a le Z, qui est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Et les protons, c'est positif. Donc le Z, c'est le nombre de charges positives. Ensuite, une notion pareille qu'on a déjà vue finalement, c'est que le rayon du noyau est 5000 fois plus petit que le rayon de l'atome. Ça, si on regarde notre premier tableau, noyau 10 puissance moins 15 mètres, l'atome 10 puissance moins 10 mètres, on a bien 10 puissance 5 d'écart, donc 5000. Donc le noyau est bien 5000 fois plus petit que l'atome. Et l'essentiel de la masse de l'atome est concentré dans le noyau. Ça, c'est vraiment une phrase super importante. Ça tombe, ça retombe. Il aime bien la mettre en anal, donc vraiment, souvenez-vous bien de ça, que l'essentiel de la masse s'est concentré dans le noyau. La masse des électrons à côté, c'est rien. Les électrons, ils pèsent rien par rapport au noyau. Ils sont vraiment négligeables. Comme je l'ai déjà dit, le noyau, c'est des nucléons. En fait, ce cours, il se répète toujours, tout le long. C'est composé de nucléons qui sont liés par des liaisons très fortes, donc ces liaisons-là. Et le nombre de protons et le nombre de neutrons, ils sont super importants. Ça paraît, ces deux phrases qui tombent et qui retombent vraiment. Souvenez-vous bien de ces deux phrases. Le nombre de protons, ça caractérise l'élément chimique. C'est-à-dire que si je vous parle d'un élément qui a un proton, ça sera toujours l'hydrogène. Si je vous parle d'un élément qui a deux protons, ça sera l'hélium. L'hélium a toujours deux protons, l'hydrogène a toujours un proton, etc., etc. Alors que le nombre de neutrons, lui, il peut changer. Un hydrogène, il peut avoir différents nombres de neutrons. Et selon le nombre de neutrons qu'il a, ça donne différents isotopes. C'est ce qu'on va voir sur la diapo d'après. Et là, j'ai juste mis une petite notion qui est que la masse du proton et la masse du neutron, c'est quasiment pareil. Mais c'est toujours bien supérieur à la masse de l'électron. Donc, sur la diapo suivante, je reviens sur les isotopes. Puis les isotopes, c'est ce qu'on voit ici avec l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène, il a toujours un proton. Parce que comme je l'ai dit, le nombre de protons caractérise l'élément. Si on a de l'hydrogène, on aura toujours un seul proton. Mais par contre, le nombre de neutrons, il peut varier. Et selon le nombre de neutrons qu'on a, on a des isotopes différents. Là, on n'a pas de neutrons. On a l'isotope appelé protium. On a un neutron, isotope appelé deutérium. Deux neutrons, isotope appelé tritium. Mais dans tous les cas, on a toujours de l'hydrogène parce qu'on a toujours un seul proton. OK? Et ces isotopes peuvent être soit stables, soit radioactifs. Un isotope, ce n'est pas toujours radioactif. La notion d'isotope, ça tombe. Et le prof, il aime bien faire le piège entre protons, neutrons. Par exemple, le nombre de neutrons caractérise l'élément chimique. Ça, c'est un piège qu'il a déjà fait tomber plusieurs fois. D'ailleurs, je vous ai mis les annales à la fin du diapo. Et voilà, il ne faut pas tomber dedans. On retient bien, le nombre de protons, ça caractérise l'élément chimique.
Alors que le nombre de neutrons, il peut varier, et selon le nombre qu'on a, on a différents isotopes. Avant de passer à la suite, je vous mets une petite représentation bilan en fait. On a un atome qui est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres, donc l'angstrom, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors que le noyau, il est de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres, donc 100 000 fois plus petit. Et notre noyau, c'est des neutrons qui sont neutres, dont le nombre caractérise l'isotope, et des protons qui sont positifs, dont le nombre caractérise l'élément chimique. Et ces deux-là se forment des nucléons. Ils appartiennent tous les deux à la catégorie des nucléons. Vous suivez toujours? Oui. Parfait. Donc maintenant qu'on a bien vu le noyau, on va passer à ce qui gravite autour du noyau, donc les électrons. Le nombre d'électrons, il est égal au nombre de protons. Ça, c'est vraiment nécessaire. Enfin, c'est vraiment nécessaire qu'on ait ces deux nombres égaux, puisque les protons sont positifs et les électrons sont négatifs. Or, vous le savez probablement ou pas, mais c'est pas grave. L'atome, c'est neutre. Parce que si on n'est pas neutre, on est sur un ion. Et pour qu'il soit neutre, pour garantir la neutralité de l'atome, on a bien besoin d'avoir autant de charges positives que de charges négatives. Donc autant de protons que d'électrons. Pour avoir autant de charges plus que de charge moins. Voilà, il faut juste faire attention, on a autant de protons que d'électrons, mais leurs charges sont opposées. Enfin, leur charge est égale, puisqu'on en a autant, mais elle est opposée, plus ou moins. La petite information, pareil, le chiffre, pas très important. Hein. Faut juste retenir que la masse de l'électron est plus faible que celle du proton, comme j'ai dit tout à l'heure. L'électron à côté du noyau est négligeable, il pèse rien. Et on va le revoir encore, je crois, dans le diapo d'après. Nouvelle information clé, les électrons sont maintenus autour du noyau par des forces électrostatiques. Ça pareil, ça tombe, ça retombe. Super important. Et la phrase suivante, pareil, les électrons possèdent chacun un niveau quantifié d'énergie précis, caractéristique de l'atome considéré. Dit comme ça, c'est peut-être pas très clair. Ça veut tout simplement dire qu'un électron, il a de l'énergie en lui. Un électron, c'est énergétique. Mais l'énergie qu'il a en lui, elle ne prend pas des valeurs aléatoires. Il y a seulement certaines valeurs d'énergie qui sont possibles. C'est pour ça qu'on parle de niveau précis. C'est une liste exhaustive de valeurs. Et la valeur énergétique que l'électron aura, elle dépend de l'atome. Dans un certain atome, l'électron, il possédera ce niveau d'énergie. Dans un autre atome, il possédera un autre niveau d'énergie. Mais ce niveau, il est toujours précis. Il ne peut pas posséder n'importe quel niveau d'énergie. Ça va pour cette notion, parce que c'est vraiment important. Ça tombe, ça retombe, ça re-retombe. Et vous le reverrez, je crois, dans le cours d'orbital. Oui. Donc, si ça va, on continue sur cette notion d'énergie. Ça, pareil, beaucoup de chiffres, ça tombe pas. Retenez ça. Et bon, je vais quand même vous l'expliquer un peu. Donc, dans l'électron, comme je l'ai dit, il y a de l'énergie, des niveaux précis. Mais c'est pareil, dans le proton, il y a de l'énergie. Entre les nucléons, il y a de l'énergie, etc., etc. Cette énergie, depuis tout à l'heure, je parle d'électron-volt, c'est la valeur qu'on utilise d'énergie. Et cette énergie, elle se calcule par cette formule MC carré, fameuse. Formule d'Einstein. Donc, le noyau, la masse d'un proton convertie en énergie libère 931 mégaélectronvolts. L'énergie de liaison entre les nucléons, c'est entre 1 et 8,5 mégaélectronvolts. J'ai mis CF tableau 1, ce que j'avais dit dans le tableau 1, que l'énergie dont on avait besoin pour rompre les liaisons entre les nucléons, donc l'énergie de dissociation du noyau, c'était de l'ordre du mégaélectronvolt. Donc, c'est logique qu'on ait besoin d'autant d'énergie que ce qui lie entre eux. Enfin, si les électrons ils sont liés par une énergie de l'ordre du mégaélectronvolt, on aura besoin d'une énergie de l'ordre du mégaélectronvolt pour rompre ces liaisons. Mais bref, comme je l'ai dit, les valeurs, elles tombent pas. Et là, ça paraît important, l'énergie des électrons est inférieure à l'énergie du noyau. Pourquoi? Parce que la masse d'électrons est inférieure à celle des nucléons.
Comme j'ai dit là, l'électron, elle est directement liée à la masse. Comme l'énergie est proportionnelle à la masse, si on a quelque chose de lourd comme le proton, on a quelque chose de très énergétique. Si on a quelque chose de léger comme l'électron, on a quelque chose de moins énergétique. Donc c'est bien lié à cette formule. Les électrons sont moins énergétiques parce qu'ils sont moins lourds. Ça, voilà, donc masse d'un électron, c'est 0,55 mégaélectronvolts. Et l'énergie de liaison au noyau, elle dépend. Ça apparaît pas une diapo très importante pour ce cours. Ça, vous le reverrez en UE3 dans le cours de spectrométrie. Vous le reverrez bien en détail, le prof il expliquera mieux les formules et tout. Là, dans ce cours, ça a pas vraiment son importance. Mince. Mais bon, je vais quand même en parler vite fait, comme c'est dans le cours. Donc, un électron, on ne peut pas être certain qu'il est à tel ou tel endroit. Donc, pour savoir où il est, on exprime ça sous forme d'une probabilité. Par exemple, il est probable à 0,8% que l'électron soit ici. Il est probable à 0,1% que l'électron soit là. Et cette probabilité, elle dépend du niveau d'énergie. Mais un électron, il n'est pas cantonné à un niveau d'énergie. Enfin, il n'est pas cantonné à un niveau d'énergie. Il peut passer d'un niveau à l'autre. Toujours en étant sur des valeurs précises, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il peut quand même passer d'un niveau d'énergie à l'autre. Si un électron passe d'un état excité, donc très très énergétique, à l'état fondamental, qui est bien moins énergétique, ça nous fait une différence d'énergie. Et donc cette différence d'énergie, l'électron, il la perd sous la forme d'un photon. Donc quand un électron, il passe d'un état excité, très énergétique, à un état fondamental d'énergie inférieure, il libère un rayonnement sous forme de photon. Et ce photon, ça correspond à la différence d'énergie. Comme là, il était très énergétique et qu'il devient moins énergétique, l'énergie qu'il aurait eu en trop, il l'émet sous la forme d'un photon. Donc ça, c'est... Voilà, cette énergie, elle peut se calculer avec cette formule, celle-là ou celle-là. Et pour ce cours, c'est pas crucial. Voilà, finalement, sur les énergies, retenir vraiment ça et ça. Le reste, c'est au flambeau. Enfin, vous le reverrez, donc voilà. Voilà, bien retenir ça, que la transition d'un électron de l'état excité très énergétique à l'état fondamental moins énergétique, comme il y a une différence d'énergie, cette différence d'énergie, elle disparaît pas comme ça sous la forme, comme ça dans l'air, quoi, puisque rien disparaît, c'est libéré sous la forme d'un photon. Ça va pour cette notion? Donc là, on va passer au. Ouais, c'est le plus important, enfin, c'est le plus gros du cours. Reverrez encore une fois dans le cours d'orbital du juin. Mais bon, si vous le comprenez maintenant, le 1er août, ce sera toujours mieux que si vous le comprenez la veille du concours. Mais bon, en soi, ça devrait aller. Donc je vais essayer de vous expliquer. Et si vous ne comprenez pas vraiment, redemandez-moi, dites-moi. Parce que c'est vraiment des notions importantes. Si vous ne comprenez pas ça, le cours orbital, il va vous paraître encore plus dur que ce qu'il est. Donc, on a quatre nombres quantiques. Le premier nombre quantique, ça va être le nombre quantique principal. Et il s'écrit petit n. N comme nombre, tout simplement. Ce nombre, il est positif. Et ce nombre, il caractérise la couche dans laquelle se trouve l'électron. C'est ce qu'on voit là. 1, 2, 3. Si n égale 1, l'électron est dans la couche 1. Si n égale 2, l'électron est dans la couche 2. Si n égale 3, il est dans la couche 3. N égale 12, il sera dans la couche 12, etc., etc. Et ce nombre, on l'associe à un deuxième nombre, c'est le nombre quantique secondaire, qui se note petit l. C'est un nombre, enfin c'est un l minuscule. Il se note l minuscule puisque ce nombre s'appelle aussi nombre quantique azimutal, donc la dernière lettre d'azimutal. Ça, vous le verrez dans l'autre cours, là, c'est pas écrit, son deuxième nombre. Son nombre, il varie entre 0 et n-1, donc la couche moins 1. Donc si on est avec n égale 1, donc sur la première couche, notre nombre quantique secondaire, il vaudra 0. Si on a n égale 2,
le nombre quantique secondaire, il vaudra 0 ou 1. Si n égale 12, il vaudra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ou 11. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais comme on n'aime pas trop avoir trop de chiffres à la suite, on associe à chaque valeur de L une lettre, pour que ce soit plus simple. Si on a L égale 0, on l'associe à la lettre S. L égale 1, ce sera la lettre P. L égale 2, ce sera la lettre D. L égale 3, la lettre F, etc., etc. Ce qu'on voit là. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. 3, ça correspond au nombre quantique principal, la couche. Et P, ça veut tout simplement dire qu'on a un nombre quantique secondaire qui vaut 1. Et ça, 3P, 3S, 1S, 2S, 2P, c'est ce qu'on appelle la sous-couche. On a donc le couple formé par les deux premiers nombres quantiques qui caractérise la sous-couche. Et attention, ce n'est pas le nombre quantique secondaire qui caractérise la sous-couche. On ne parle pas de sous-couche D, de sous-couche P, sous-couche F. Ça ne veut rien dire. On parle bien de sous-couche 1S, sous-couche 3P. Il faut bien, pour parler de sous-couche, qu'on ait à la fois le premier et le deuxième nombre quantique. Ça peut être un piège que vous verrez probablement dans des écuries. Mais il y en a, le prof, il a déjà fait le piège. Par exemple, le troisième nombre quantique caractérise la sous-couche. Non, c'est le couple formé par les deux premiers. Donc on a premier nombre quantique supérieur à 0 qui caractérise la couche, deuxième nombre quantique compris entre 0 et la couche moins 1 auquel on associe une lettre, et les deux nombres quantiques ensemble qui caractérisent la sous-couche. Ça va pour l'instant? Oui, très bien. Ok. Donc maintenant on passe aux deux nombres quantiques suivants. Pour les expliquer, je change ma représentation. Ce sera plus clair comme ça. Donc en fait, là, chaque ligne, c'est une sous-couche. Tout ça, c'est la couche 4. Là, on a la sous-couche 4F, 4D, 4P, 4S. Donc chaque ligne, en fait, c'est un... ça serait un cercle là, en fait. Donc le nombre quantique magnétique ML, il est compris entre moins L et L. Donc entre moins le nombre quantique secondaire et plus le nombre quantique secondaire. Donc par exemple, si on prend L égale 3, notre nombre quantique magnétique, il est compris entre moins 3 et 3. Si on a L égale 1, il est compris entre moins 1 et 1. L égale 2, entre moins 2 et 2. L égale 12, entre moins 12 et 12. Ça, donc ça nous donne 2L plus une valeur. Là, on a L valeur, donc 3 valeurs. Là, on a encore L valeur, 3 valeurs, plus le 0. Donc 2L plus une valeur. Idem ici. 2 valeurs, plus une. Plus une. Donc 2L plus une valeur. Pareil là. Une valeur, plus une. Donc on a 2L plus une valeur positive de ML. Excusez-moi, j'ai pas très bien compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ouais. Donc, le nombre quantique magnétique, il est compris entre moins L et L. Donc, entre moins le nombre quantique secondaire plus le nombre quantique secondaire. Si le nombre quantique secondaire, il vaut 3, notre nombre quantique magnétique, il pourra valoir moins 3, moins 2, 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Si le nombre quantique secondaire, il vaut 9, le nombre quantique magnétique, il pourra valoir moins 9, moins 8, moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, moins 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, ça nous donne donc 2L plus une possibilité de valeur. Parce que là, on a L valeur, 3 valeurs. Là, on a pareil, 3 valeurs plus une. Autre exemple avec L égale 2. Là, on a 2 valeurs, donc L valeur. Pareil, 2 valeurs, donc L valeur, ça nous fait 2L valeur plus une. Donc, on a bien 2L plus une valeur possible de ML. Et chacune de ces valeurs, ça correspond à une orbitale. Chacune de ces cases, c'est une orbitale. Pour une valeur de ml, on a une orbitale possible. Une autre valeur de ml, une autre orbitale possible. Ainsi de suite. Chaque case, c'est une orbitale. Donc on a 2l plus une orbitale.
Et ces orbitales, elles ont la même énergie. Cette orbitale a la même énergie que celle-là, qui a la même énergie que celle-là, qui a la même énergie que celle-là, etc., etc. Sur une sous-couche, on a donc deux ailes plus une orbitale, deux ailes plus une case, qui sont chacune associées à une valeur de ml. Et chaque orbitale a la même énergie. Et quand des orbitales ont la même énergie, on dit qu'elles sont dégénérées. Ce terme, il veut juste dire ça. Il veut juste dire que les orbitales ont la même énergie. Ça va pour ce nombre quantique ou je réexplique? C'est pas évident. Donc, comme j'ai dit, chaque case, c'est une orbitale. Donc, pour désigner une orbitale, on a besoin de trois nombres. Le premier nombre quantique, qui est 4. Le deuxième nombre quantique, qui est ici 3. Et le troisième nombre quantique. Donc, une orbitale atomique, une case, c'est caractérisé par le triplet. En fait, c'est un peu les coordonnées GPS d'une orbitale. Pour localiser une orbitale, on a besoin de ces trois valeurs. Comme si je vous dis 4, enfin si je vous donne le triplet 4, 2, plus 1, ça vous permet de localiser cette orbitale. Si je vous donne le triplet 4, 1, 0, vous pouvez localiser cette orbitale. Le triplet 4, 0, 0, cette orbitale. Voilà. Donc ce triplet, il nous permet de caractériser une orbitale. Et une orbitale, c'est la case. C'est toujours bon. Et donc, si j'ai bien compris, l'électron sera donc sur l'orbital qu'on aura trouvé, en gros, c'est ça. C'est ça, ouais. Oui, là, quand je parlais de nombre quantique, ça se référait toujours à l'électron, donc c'est ça. En fait, les électrons, là, c'est les petites flèches. Si je vous dis, voilà, si je vous donne un triplet, ça vous caractérise l'orbitale à laquelle appartient l'atome, l'électron, pardon. L'orbitale à laquelle appartient l'atome. L'orbitale à laquelle appartient l'électron. Merci. Voilà. Le triplet 0, 1, 1, ce sera cet électron-là. Les flèches, ce sont les électrons. D'ailleurs, là, il y en a deux. Je ne sais pas pourquoi il en manque une. Voilà, donc. La couche, c'est N. La sous-couche, l'association entre N et L. Et l'orbital, l'association entre N, L, ML. Donc, la case. Comme ce n'est pas assez compliqué, on a besoin de quatrième nombre quantique. Ce nombre quantique, c'est le nombre quantique magnétique de spin. Qui se note M petit s, le s de spin, tout simplement. Celui-là, les valeurs, c'est simple, ça vaut moins un demi ou un demi. Comment ça se représente sur notre schéma? Quand on a ms égale moins un demi, on fait une flèche vers le bas. Quand on a ms égale un demi, on fait une flèche vers le haut. En fait, ça représente le sens de l'électron par rapport au champ. Est-ce que l'électron, il sera dans le sens du champ magnétique qui passe par là, ou est-ce qu'il sera dans le sens inverse du champ magnétique qui passe par là? Ça paraît, ça sera expliqué dans le cours d'orbital. Donc, ms qui vaut moins une demi, flèche vers le bas, ou un demi, flèche vers le haut. Et l'association de ces quatre nombres, n, l, ml, ms, dont je vous ai parlé jusque-là, ça caractérise l'état quantique d'un électron. Donc, les quatre nombres quantiques ensemble, ça caractérise l'état quantique. C'est OK pour les nombres quantiques? Oui, ça va. Parfait. Maintenant, on va voir des petites règles et principes. Donc, les règles et les principes de la configuration électronique qui sont directement liés au nombre quantique que je vous ai détaillé jusque-là. Donc, on commence par le principe de Pauli qui nous dit que dans une orbitale, on peut mettre au maximum deux électrons de spin opposé. Ça,
on avait déjà commencé à le voir ici. C'est-à-dire que dans une orbitale, donc dans une case, on peut mettre au maximum deux électrons, donc deux flèches, qui sont de spin opposés, c'est-à-dire une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Vous ne verrez jamais deux flèches vers le haut. Sinon, ça veut dire que les deux électrons de l'orbital ont un spin positif, ce qui n'est pas possible. On a toujours, si on a deux électrons dans notre orbital, ils auront toujours un spin opposé. Plus un demi, moins un demi. Plus un demi, moins un demi. On n'aura jamais moins un demi et moins un demi, ou plus un demi, plus un demi. OK? Donc dans une orbitale, on peut avoir un ou deux électrons. Et si on en a deux, ils ont un spin opposé. Ils ne peuvent pas avoir un spin identique. Et quand on a deux électrons, on dit qu'ils sont appariés. Ça veut dire tout simplement qu'ils sont par paire, qu'ils sont par deux. Donc de cela découle le fameux principe qui nous dit que deux électrons d'un atome ne peuvent posséder simultanément les quatre mêmes nombres quantiques. C'est logique parce que s'ils ont les mêmes nombres quantiques, ça veut dire qu'ils ont le même nombre de spins, donc ils sont dans le même sens. Sauf que ce n'est pas possible. Si on est dans la même orbitale, on a les trois premiers mêmes nombres quantiques, mais le dernier sera toujours différent. Positif, négatif, positif, négatif. On ne peut jamais avoir le même nombre de spins. Ça va? Et pour retenir que ce principe, c'était le principe de Pauli, Pauli, ça fait penser à Pauli, donc la politesse. Donc chaque électron est à sa place. Il n'y a pas d'électron copieur, donc il n'y aura jamais deux électrons qui ont la même coordonnée. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vu qu'on a trois principes, il ne faut pas trop les confondre. Donc ça me permettait vraiment de retenir que le principe de Pauli, c'était celui qui disait qu'on ne peut pas avoir deux électrons qui ont les quatre mêmes nombres quantiques. Ça, c'est une phrase qui tombe souvent en annales. Hein. Ça, c'est important. Donc, on continue sur les règles de la configuration électronique. Donc, on a vu la première, le principe de Pauli, qui nous dit qu'on ne peut pas avoir deux électrons de même spin dans la même orbitale. Maintenant, on voit la règle de Kleichkowski, qui nous explique comment remplir les niveaux d'énergie. Donc, ces niveaux d'énergie, on les remplit par ordre croissant d'énergie. Et le niveau croissant d'énergie, selon les valeurs croissantes de la somme n plus l, donc le premier nombre quantique plus le deuxième nombre quantique, ou selon les valeurs de n, si on a des valeurs ex aequo de n plus l. Donc les électrons, on les remplit dans cet ordre-là. D'abord dans la sous-couche en s, puis 2s, puis 2p, puis 3s, 3p, 4s, etc. Et ça, c'est lié au niveau d'énergie, au niveau croissant d'énergie. Un s a moins d'énergie que 2s, qui a moins d'énergie que 2p, moins d'énergie que 3s, que 3p, 4s, etc., etc. Et enfin, la dernière règle, c'est la règle de Hund. Cette règle nous permet de déterminer le remplissage des électrons le plus stable possible dans les orbitales. C'est-à-dire comment stabiliser nos orbitales, comment stabiliser les électrons lorsqu'on les range. Et pour qu'on soit stable, il faut avoir un spin total le plus grand possible. Comment avoir un spin total le plus grand possible? En ayant le plus possible d'électrons qui ont un spin positif. Donc avec un spin qui vaut un demi. Et comme je l'ai dit, quand les spins valent un demi, on a une flèche vers le haut. Donc pour cela, on met d'abord les électrons tout seuls dans les orbitales. On en met d'abord un là, un là, un là, un là. On ne les met pas par doublé, on les met d'abord tout seul. Parce que c'est en les mettant tout seul qu'on aura un spin le plus grand possible. Puisque dès lors qu'on les met par deux, on a un spin nul. Puisqu'on fait un demi plus moins un demi, donc ça vaut zéro. Donc il faut essayer de laisser les électrons les plus seuls possibles. Là, évidemment, si on avait un électron de plus, on mettrait là. Mais voilà, on les remplit, on les laisse d'abord tout seuls, on ne les remplit pas par duo. Ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est la bonne configuration. Ça, il faut pas. Ça va pour ces deux règles?
Et le principe de poly, ou vous avez besoin que je reformule? Pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Ouais, tu veux que je réexplique les deux ou il y en a un particulièrement qui était moins clair? Mais j'ai pas compris la règle de Plekhovski. Donc cette règle, c'est ça correspond au remplissage des niveaux d'énergie. Donc où est-ce qu'on met les électrons? Enfin, dans quel ordre on remplit les sous-couches en fait? Et les sous-couches, on les remplit par rapport au niveau d'énergie. On remplit d'abord les sous-couches qui sont les moins énergétiques, puis les sous-couches les plus énergétiques. Et il se trouve que les sous-couches les moins énergétiques, c'est celles qui ont la valeur de n plus l, la plus petite. Donc on remplit les sous-couches selon les valeurs croissantes de n plus l, donc avec la somme n plus l la plus petite, puis la somme n plus l plus grande, et ainsi de suite. En fait, voilà, ça indique le classement énergétique des sous-couches. Ça indique que 1s, c'est moins énergétique que 2s, qui est moins énergétique que 2p, qui est moins énergétique que 3s. Donc on remplit d'abord 1s, puis 2s, puis 2p, puis 3s. Ça se fait selon. Voilà, c'est ça. On met les électrons. Quand on met des électrons dans les orbitales, on les met selon l'ordre croissant d'énergie. Et il se trouve que l'ordre croissant d'énergie, c'est les valeurs croissantes de n plus l. Ça va mieux? Oui. Ok. Sans ça, c'est pareil. Ces trois règles et principes, vous les reverrez dans le cours d'orbital, au tout début du cours d'orbital. Donc c'est toujours mieux de les comprendre maintenant. Mais au pire, de toute façon, vous les reverrez. Et à force de les voir, on les comprend et on les apprend. Et pour ce cours-là, le prof, il a plutôt tendance à faire tomber le principe de poly. C'est déjà arrivé plusieurs fois, cette phrase-là. Mais les deux autres, c'est encore jamais tombé. Bon, c'est pas une raison pour les négliger, puisque de toute façon, ils sont vraiment cruciaux pour le cours d'orbital. Donc si c'est bon pour ces règles et principes, on passe à la suite. Il nous reste trois diapos, on a bientôt fini. Et c'est vraiment des notions qui sont plus simples. Donc, cette diapo, elle nous permet de mettre en lumière la notion d'électron de valence. Les électrons de valence, c'est quoi? C'est les électrons les plus périphériques, les électrons les plus loin du noyau. Ce sont donc les électrons de la couche qui ont le n le plus élevé. La couche la plus périphérique, puisque là, on serait sur la couche 1, là, la couche 2, comme je vous l'ai montré dans cette représentation. Vous avez la couche 1, puis la couche 2, puis la couche 3. Donc les électrons de valence, c'est les électrons de la couche la plus périphérique, plus les électrons des sous-couches qui sont en train de se faire remplir. Ces électrons, comme ce sont les plus éloignés du noyau, ce sont ceux qui lui sont le plus faiblement liés. Et comme ils sont plus faiblement liés au noyau, ce sont eux qui ont la possibilité d'être arrachés quand on ionise l'atome. C'est-à-dire que là, si on voulait ioniser l'atome de lithium, l'électron qui dégage, c'est celui-là. C'est pas lui. Ou lui, c'est l'électron de valence, l'électron le plus périphérique, qui s'en va quand on veut ioniser un atome. Puisque celui qui est le plus faiblement lié, donc celui qui peut le plus facilement partir. Voilà, électron de valence, les électrons les plus éloignés. Comme ils sont éloignés, ils peuvent se détacher. Comme ils se détachent, c'est eux qui permettent la ionisation. Là, pareil, deux petites notions qu'on revoit en cours d'orbital aussi, c'est la notion de diamagnétique ou de paramagnétique. On dit qu'un atome est diamagnétique quand tous ses électrons sont appariés. C'est-à-dire quand tous les électrons ils sont deux par deux, on est dans un atome diamagnétique. Comme là, on imagine les couches d'avant qui sont deux par deux. Là, quand on n'a que des électrons deux par deux, on est diamagnétique, donc le spin total vaut 0. Plus un demi, moins un demi, la somme vaut 0. Donc voilà, diamagnétique, tous les électrons sont par deux, spin total nul. Alors que paramagnétique, on a au moins un électron qui est tout seul. Et comme on a un électron qui est tout seul, on a un spin qui est différent de 0. Lui, il est tout seul, ça nous fait un spin de 0,5. Lui aussi, il est tout seul, un spin de 0,5, donc on a
Ms qui vaut 1. 0,5 plus 0,5. Diamagnétique, tous les électrons sont appariés, donc le spin total est nul. Paramagnétique, on a au moins un électron qui est tout seul, donc un spin total qui est différent de 0. Ça va pour ça? J'ai une question, le MS, il peut valoir moins un demi? Pense pas, puisque en principe, quand un électron il est tout seul, tu le mets dans. Tu lui attribues un spin égal à, à plus 1,5. Comme là. Quand tu ranges les électrons tout seul, tu les mets en flèche vers le haut, donc avec un spin 1,5. Je pense pas que tu puisses avoir d'électrons tout seul avec un spin moins 1,5. À vérifier, mais. Je pense que non. Je pense qu'un électron célibataire, il aura toujours un spin égal à plus 1,5. Ok, merci. Donc, si c'est bon, on va terminer le. Mince, il reste une diapo si elle veut bien se mettre. C'est bon. Ça, c'est la dernière diapo. Et après, on fera quelques annales pour que vous ayez un peu une idée de. À quoi ça ressemble? Voilà, qu'est-ce que le poids? Excuse-moi. Ouais, Ouais, juste c'est la règle de une que avec laquelle j'ai du mal, tu peux la réexpliquer? ouais, pas de problème. Merci. Donc la règle de Hund, ça nous dit que quand on veut ranger nos électrons dans les orbitales, comme là ou là, les électrons, c'est les flèches. Quand on veut les ranger, on les met d'abord tout seul. Puisque quand on les met tout seul, on a un spin égal à plus 1,5, donc on maximise le spin. Puisqu'un atome, il est stable quand ses électrons ont un spin total. Enfin, pour qu'un atome soit stable, il faut que le spin total soit le plus élevé possible. Et pour que le spin soit le plus élevé possible, il faut avoir le plus d'électrons avec un spin égal à plus 1,5 et qui sont tout seuls. Alors que là, l'électron, il est tout seul, donc il a un spin de plus 1,5. Lui pareil, donc on a un spin égal à 1,5. On a maximisé le spin. Alors que si on les range par deux, les électrons, plus 1,5 plus moins 1,5, ça fait 0. Donc on a un spin nul. Là aussi, on a un spin nul. Donc finalement, on aura juste 1,5 de spin total. Ce qui n'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut un spin total le plus élevé possible. Donc pour maximiser ce spin, l'astuce, c'est de mettre les électrons tout seuls, pour qu'ils aient leur spin positif qui maximise le spin total. Merci beaucoup. C'est normal. Donc voilà, la dernière diapo, on retombe sur du plus facile, sur la classification périodique des éléments que vous avez probablement déjà croisé dans votre vie, j'imagine. Donc comment les éléments ils sont rangés dans cette classification? Ils sont rangés par ordre croissant de Z. Là, l'hydrogène, il a un proton, parce que le Z, c'est le nombre de protons. Lui, il a un proton, lui, il a deux protons, trois protons, quatre protons, cinq protons, six protons, sept, huit, neuf, dix, etc. Dans cette classification, on range par ordre croissant de protons. Chaque fois qu'on passe à une nouvelle ligne, ça c'est une ligne, ça c'en est une autre, ça c'en est une autre, etc. Chaque fois qu'on passe à une nouvelle ligne, ça veut dire qu'on remplit une nouvelle sous-couche. Là, on n'était que sur la sous-couche en S pour l'hydrogène et l'hélium. Là, on a des électrons sur la sous-couche de S. Là, on a aussi des électrons sur la sous-couche de P. Là, sur la sous-couche 3S, 3P, 3D, etc. Donc, on range par ordre croissant de protons. Et chaque fois qu'on passe à une nouvelle ligne, ça veut dire qu'on remplit une nouvelle sous-couche. Donc pour les lignes, c'est bon. Donc aussi une autre façon de voir notre classification, c'est par bloc. Là, on a un bloc, notre chaque couleur, c'est un bloc. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Chaque ligne, c'est une nouvelle couche. Je sais plus si j'ai pas dit sous-couche. Chaque ligne, c'est une nouvelle couche. Là, on est sur la couche 1, couche 2, couche 3, couche 4, couche 5, couche 6, couche 7. Je crois que je me suis trompée quand je l'expliquais. Chaque ligne, c'est une nouvelle couche. Et chaque bloc, par contre, on est sur des sous-couches.
C'est-à-dire que dans le bloc S, le dernier électron, l'électron de valence, il est sur une sous-couche S. Enfin, sur une sous-couche 1S, 2S, 3S, 4S. Dans le bloc D, les électrons de valence sont sur une sous-couche en D. Dans le bloc P, les derniers électrons sont sur une sous-couche en P. Là, pareil. Par exemple, si je vous donne le fer, non, c'est lui le fer. Si je vous donne le fer, son dernier électron, il est sur la sous-couche 4D. Parce qu'on est sur la quatrième ligne et qu'on est dans le bloc D. OK. Donc le bloc, ça nous indique la sous-couche dans laquelle se trouvent les électrons les plus périphériques. La dernière sous-couche qui est emplie. On a vu les blocs, les lignes, il nous manque les colonnes. Et les électrons, enfin, les éléments d'une même colonne ont la même valence. Ils ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche et sous-couche en comptant en pucelle. Donc chaque colonne, c'est une même valence. Comme ils ont la même valence, on parle de famille d'éléments. Et dans cette famille, les propriétés chimiques sont similaires mais pas identiques. Tous ces éléments ont des propriétés chimiques qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Dites-vous que dans une famille d'humains, c'est pareil. Avec votre famille, vous avez des propriétés, donc, enfin, des propriétés physiques, des caractères, etc., qui se ressemblent, mais vous n'êtes pas identique à tous les membres de votre famille. Les éléments, c'est pareil. Ils ressemblent aux membres de leur famille au niveau des propriétés chimiques, mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes propriétés. Vous avez des questions sur la classification périodique? Ou sur toute autre chose, hein, vu qu'on a fini maintenant? J'ai une question, ça dure quoi pour les chimiques similaires? Propriétés chimiques similaires, ça veut dire qu'ils ont par exemple une densité en état d'agrégation, une couleur et une dureté, une élasticité, etc., qui se ressemblent. C'est ça les propriétés chimiques. Ok, merci. Leurs propriétés, elles se ressemblent, mais qu'elles ne sont pas tout à fait identiques. Okay, merci. De rien. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on peut passer aux annales. J'ai mis toutes les annales jusqu'en 2014. Comme ça, vous pourrez les regarder, les faire. Après, je ne sais pas si on va toutes les faire, mais on va en faire quelques-unes pour que vous voyez un peu ce qui est attendu de vous. Donc, si ça vous va, je lis l'item et vous me dites si vous pensez qu'il est vrai ou faux. Reprenez la parole. N'hésitez pas, vous écrivez dans le. Écrivez dans le chat, hein, comme vous préférez. Donc, on commence avec 2023. L'électron est une particule élémentaire. C'est faux. Et... C'est faux, c'est le quark. Alors, vous avez tous les deux, enfin, tous les deux raisons, on va dire que l'électron, c'est bien une particule élémentaire, mais le quark aussi. Attends, je vais. Mince, attends. Je vais vous montrer la diapo. Je vais vous refaire voir la diapo. Parmi les particules élémentaires, on a bien électrons, neutrinos et quarks. Donc c'était bien vrai. L'électron est une particule élémentaire, tout comme le neutrino et les quarks. Ensuite, les forces nucléaires ont une portée infinie. Non. Tout à fait, c'est faux. Comme son nom l'indique, c'est des forces nucléaires. Donc c'est à l'échelle du noyau. Et le noyau, il fait quelle taille? 10-15 mètres. Donc on est plutôt sur une portée de 10-15 mètres. Ensuite, la masse du proton est pratiquement égale à celle du neutron. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. À ne pas confondre avec l'électron. On a bien masse proton à peu près égale à celle du neutron. Mais par contre, l'électron, il a une masse
toute petite, vraiment négligeable, nulle par rapport, enfin nulle dans le sens pas bien, enfin, une masse vraiment toute petite par rapport à celle du proton et du neutron. Pas confondre ça. L'énergie des électrons est équivalente à celle contenue dans le noyau. C'est ça, c'est faux. Et c'est directement lié à ce qu'on a vu à l'item juste dessus, en fait. Parce que rappelez-vous que l'énergie, c'est proportionnel à la masse. Donc, si les protons ont une masse supérieure à l'électron, l'électron a une masse a une. La masse de l'électron est inférieure à celle du noyau, donc l'énergie de l'électron est inférieure à celle du noyau. Il n'y a pas d'équivalence. Et enfin, pour cette année-là, deux électrons de même atome ne peuvent pas posséder les mêmes nombres quantiques. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que s'ils ont les quatre mêmes nombres quantiques, ça veut dire qu'ils ont le même spin. Sauf que j'ai bien dit que ce n'était pas possible. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a deux flèches dans le même sens, ce qui contredit le principe de Pauli, qui nous dit que quand on a deux électrons dans une même orbitale, ces électrons ont un spin opposé. Donc, ils ne peuvent pas posséder les quatre mêmes nombres quantiques. C'est faux. Moi, ça va bientôt faire 1 heure. On en fait une dernière annale au hasard, 2015. Et après, vous pourrez les faire chez vous, parce que j'ai. Quand c'est en vert, c'est que c'est vrai. Et quand c'est en rouge, j'ai corrigé. En rouge, c'est la correction. Donc, 2015. Les noyaux sont constitués de nucléons. C'est vrai. Et les nucléons, ce sont les protons et les neutrons, qui appartiennent, on se rappelle, à la catégorie des hadrons, et plus précisément aux baryons, qui ont trois quarks. Ensuite, le numéro atomique correspond au nombre de charges positives contenues dans le noyau. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Rappelez-vous cette représentation. On a le numéro atomique ici. Le numéro atomique, c'est le nombre de protons, donc le nombre de charges positives. À ne pas confondre avec le nombre de masses, qui est le nombre de nucléons. Protons plus neutrons. Voilà. Là, c'est les isotopes diffèrent par leur nombre de protons. C'est ça, t'es pas tombé dans le piège. Les isotopes, ils diffèrent par leur nombre de neutrons. Alors que le nombre de protons, lui, il caractérise l'élément chimique. Un élément chimique aura toujours le même nombre de protons pour un élément donné, mais son nombre de neutrons peut varier. Et selon le nombre de neutrons qu'on aura, on aura des isotopes différents. Avant-dernier item, une orbitale atomique est caractérisée par un nombre quantique principal, secondaire et magnétique. Ça, c'est la fameuse partie. Et c'est vrai, l'orbitale est caractérisée par le triplet. À ne pas confondre avec le couple des deux premiers nombres quantiques qui caractérise la sous-couche et le quadruplet qui caractérise l'état quantique. Là, on se rappelle, le nombre quantique principal caractérise la couche, le nombre quantique principal avec le secondaire qui caractérise ensemble la sous-couche, le triplet, l'orbital, le quadruplet, l'état quantique. Et dernier item, deux électrons qui occupent une même orbitale atomique sont dits célibataires. C'est ça, c'est faux. Deux À électrons dans une parier. même. C'est ça, exactement. Deux électrons dans une même orbitale, ils sont par paire, ils sont par deux, donc ils sont appariés. Comme eux. Ils sont par deux, ils sont appariés, ils sont appariés. Et lui, je pense que du coup, il est célibataire. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est du français. Hein. Célibataire tout seul, appariés par paire. Vous pouvez réexpliquer la thèse, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Ouais. Je remets. Tu peux me tutoyer d'ailleurs. C'était où? C'était là. Donc le triplet, c'est bien le triplet qui caractérise l'orbital. Le triplet, il est composé de quoi? Du nombre quantique primaire, secondaire et du nombre quantique magnétique. On se rappelle, le nombre quantique primaire, c'est la couche.
Par exemple, n égale 4, ça veut dire qu'on est sur la quatrième couche. Une quantique secondaire associée à l'autre, c'est la sous-couche. Par exemple, 2. Et le ML, c'est pour dire dans quelle case, dans quelle orbitale on se trouve. Donc, pour trouver une orbitale, par exemple, si je vous dis cette orbitale-là, j'espère que vous voyez mon laser d'ailleurs depuis tout à l'heure. Si je vous demande de me trouver cette orbitale-là, pour décrire sa position, vous aurez besoin des trois nombres de trois nombres quantiques. Le primaire, pour me dire dans quelle couche il est. Le secondaire, pour me préciser dans quelle sous-couche on est. Et le nombre quantique magnétique. Voilà, pour donner les coordonnées GPS en quelque sorte d'une orbitale, tu as besoin de ces trois nombres-là. Pour localiser une case, tu as besoin de ces trois indications, de ces trois nombres-là. Ça Donc, va mieux si j'ai bien pour... compris, comme vous avez dit, pour localiser, on a besoin juste du triplet. Et si on veut savoir aussi le MS, le nombre quantique magnétique de spin, et ben, il faut le quatrième nombre quantique. C'est ça. Le couple, il te dit dans quelle ligne t'es, le triplet dans quel carré, et le quadruplet de quel électron précisément on parle. Merci. Voilà. Excuse-moi, tu peux redire ce que tu viens de dire? J'ai pas entendu. Ouais, pas de souci. Donc, pour caractériser la sous-couche à laquelle appartient l'électron, on a besoin des deux premiers nombres. Donc, ça nous indique la sous-couche, donc la ligne. Si on veut savoir dans quelle case on est, donc dans quelle orbitale on est, on a besoin du troisième nombre quantique, par exemple 0. Là, on a décrit l'orbitale dans laquelle on est, la case. Et si on veut savoir précisément de quel électron on parle, de quelle flèche on parle, on a besoin du quatrième nombre quantique, ms, qui nous dira, si on parle de cet électron qui a un ms égal à 1/2, de cet électron qui a un ms égal à moins 1/2. Ok? Ou pas, Ok. ok. Donc, j'ai fini ma présentation. Si vous avez d'autres questions encore sur le cours ou sur je sais pas, ma méthode de travail, mon organisation, sur la vie étudiante en général, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça marche. Et je sais que souvent, enfin, j'anticipe la question, souvent l'année dernière. Quand j'étais en passe, il y en avait beaucoup qui se demandaient est-ce que je prends Magibox ou est-ce que je prends Objectif Pass? Je ne sais pas si vous en aviez, si vous avez déjà réfléchi à cette question. Moi, personnellement, j'avais pris aucun des deux. Pour la plateforme de QCM, j'avais pris celle du tutorat. Je sais plus, je crois que c'est 20 € l'année ou un truc comme ça. Pour la plateforme de QCM, j'avais la plateforme du tutorat. Et pour la mise à jour des cours, j'utilisais les cours de Dan. Et après, généralement, j'allais en cours, donc je mettais à jour mon cours moi-même. Voilà. Vous m'avez pas demandé, mais si jamais, au moins vous savez. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que tu avais choisi maïeutique de base ou pas? Ouais, c'est ce que je voulais faire depuis le début de l'année. Et j'ai réussi à être grand admise du coup en maïeutique. Ok, ça va. Merci. De rien. C'est quoi ton support de travail? Ouais, je viens de voir ta question dans le chat. Du coup, moi, j'imprimais tous mes cours. Je ne pouvais pas les voir si je ne les avais pas imprimés devant moi. Je n'arrivais vraiment pas à bosser un cours sur mon ordi ou sur ma tablette quoi. J'avais vraiment besoin du cours imprimé pour le cours en lui-même. Du coup, quand j'allais à la fac, j'imprimais le cours de l'année d'avant et je la notais s'il y avait des petites modifications. Et s'il y avait des grosses modifications, je l'imprimais du coup. Et voilà, souvent, j'arrivais à faire avec ça. J'imprimais le cours de l'année d'avant. J'ajoutais les petites modifications et après je voyais comme ça, je surlignais avec un petit code couleur basique quoi. Et après pour faire mes QCM par exemple, du coup en papier, je prends mes notes en papier, j'imprimais le QCM et j'imprimais mes cours et j'annotais le cours directement imprimé. Et après pour ce qui était entraînement QCM, écurie ou quoi, enfin, ancienne écurie, annale et tout.
Quand j'étais chez moi, je faisais plutôt sur mon ordinateur, parce que c'est plus grand, c'est plus pratique pour voir. Et après, je rentrais, enfin, je suis pas de Marseille, du coup, je rentrais chez moi, je prenais le train tous les vendredis pendant 3 heures. Et là, par contre, j'avais ma tablette que le lycée nous avait donnée. Et du coup, je faisais mes QCM sur ma petite tablette. Du coup, voilà, la tablette, c'était pratique pour le transport. Et sinon, quand je restais chez moi, je préférais l'ordi pour les QCM. Mais toujours le papier pour les cours, vraiment, c'était vraiment ça dont j'avais besoin. Après, pas tout le monde a besoin du papier, mais moi, c'est vrai que sur ordi, le cours en lui-même, j'y arrivais vraiment pas, quoi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Pour les QCM, du coup, quand je les faisais en ligne, c'était sur la plateforme Vitamine du tutorat. Je crois que vous pouvez déjà prendre votre abonnement. Je sais pas si c'est déjà ouvert, peut-être. Et après, après il y avait les QCM que Dan il envoyait. Et voilà. C'était QCM vraiment de la plateforme du tutorat en ligne. Je trouve que c'est pratique, c'est rapide. Tu coches tes. Enfin, c'est directement en ligne, quoi. Il n'y a pas besoin de. Enfin, tu coches les réponses que tu veux et ça te dit la question juste après. Du coup, c'était rapide, c'était ça que j'aimais bien. Et après, vu que c'est toujours bien de faire beaucoup, beaucoup de QCM, je regardais aussi ce que Daniel envoyait. Je sais pas si vous ça donnait ou donnera aussi une clé USB. Je crois qu'il y avait les QCM dessus au second semestre, mais pas au premier. Et après, j'avais fait aussi, si ça vous intéresse, un lien Drive où j'avais réuni tous les QCM que Dan il avait envoyés par catégorie, par nom et tout. Je sais pas si je pourrais vous le partager ou pas. C'était pratique. Est-ce qu'on peut se contenter, on va dire, de ce que Dan envoie ou ce que nous, on peut trouver, je sais pas, sur Internet, sur des sites, etc. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas forcément envie de... Enfin, c'est pas forcément très cher, 20 balles l'année, mais si j'ai pas envie de mettre cet investissement-là, je peux me contenter de ce que Dan y peut envoyer ou c'est un peu juste... Je pense que ça dépend vraiment de comment, enfin de la place qu'ont les QCM dans tes révisions, enfin dans ta vision du cours. C'est vrai que Dan, il envoie pas mal du QCM. C'est vrai que j'aimais vraiment bien avoir aussi la plateforme du tutorat parce que c'était. Ouais, comme j'ai dit, c'est en ligne, c'est rapide, c'est pratique. Mais en soi, oui. Ok. Je pense que tu peux te contenter de la prépa, mais le tutorat, c'est vraiment. Ouais, j'ai vraiment. C'était vraiment le plus. Enfin, c'était vraiment mon indispensable quand je travaillais quoi, la plateforme Vitamine. Et du coup, je suis en train de vérifier les tarifs. Et c'est ouais, 25 € pour la formule. 25 € par an pour la formule simple. Et 35 si vous voulez aussi si vous voulez aller au QCM en présentiel. Pour le tutorat. Du coup, là, oui, parce que j'étais un. C'est le tutorat. Donc, je te note associatif marseillais. Et leur plateforme, c'est Vitamine. Crois que si vous inscrivez, vous avez d'abord l'inscription au tutorat. Il ne faut pas oublier d'ensuite s'inscrire sur la plateforme Vitamine. Alors, vous ne payez rien en plus, mais il faut créer. Un compte supplémentaire, pas oublié quoi. Voilà, c'était vraiment. Parce que j'avais vraiment pas envie personnellement, de m'abonner à Medibox Objectif Pass, parce que c'était quand même des. Je sais plus combien c'est, genre 500 € par an ou quoi. J'avais pas envie d'investir à ce point-là. Donc franchement, le tutorat avait bien fait son job pour moi en complément de la prépa, quoi. J'ai vu que j'avais envoyé. La réponse juste à Sarah, donc je vous la renvoie sur le chat de groupe. Excuse-moi. Ouais. Le nombre quantique de spins, c'est le numéro 4, du coup? Ouais, c'est le dernier. Le nombre Ok, quantique de d'accord, spin, merci. ouais. C'est le dernier qui vaut soit un demi, soit moins un demi. Ok. Je ne sais pas si vous avez encore des questions ou pas. N'hésitez pas.
Ah, une dernière question, si j'ai pas tout compris. Non, franchement, si t'as pas tout compris, c'est pas grave, t'en fais pas. C'est bon, la première fois que j'ai vu ce cours, j'étais un peu perplexe. Après, ouais, j'ai vraiment essayé de vous expliquer au maximum, parce que c'était vraiment comme ça que je travaillais. J'essayais vraiment de comprendre au maximum ce que je pouvais, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut pas comprendre, c'est. Ou alors on perdait trop de temps. Essayer vraiment de comprendre au maximum, de faire les liens entre les différentes parties du cours, les différents cours en eux-mêmes. C'est vrai que à force de. Enfin, même quand tu verras d'autres cours, les cours suivants, tu reverras des notions de celui-là. Et au final, celui-là, il te paraîtra plus clair. C'est sûr que si c'est le premier cours que tu vois ou quoi, c'est sûr que ça peut être. Ça paraît flou, mais quand tu vois la suite qui est liée, ça gagne forcément en clarté. C'est pas grave, faut pas que tu t'inquiètes de pas avoir tout compris, on est le 1er août, hein. Y a pas de problème. C'est tout bon pour vous? Enfin, tout bon, Oui, vous m'avez compris. Bah, si c'est tout bon. Je vais vous libérer, vous souhaiter bon courage pour ce début de pré-rentrée. Et vraiment, continuez de profiter de l'été et tout. Hein. Mettez-vous pas une grosse pression. On travaille parce que toute avance prise, c'est vraiment a vraiment son importance. Mais voilà, il fait beau, il fait chaud, il y a les JO. On ne travaille pas toute la journée. Voilà, merci. De rien. merci, au revoir. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Juste une question, il y a un cours après ou pas? Pardon, je parlais dans le vide, je n'avais pas activé mon audio. Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait d'autres cours après. Le deuxième cours, vous le voyez en autonomie, il me semble. Après, j'ai pas eu la version mise à jour du programme, mais je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Ok, ah, merci beaucoup. Ça marche.